Yo la famille, juste avant que la vidéo commence, les bananes sont de nouveau en stock. Bananes, sacoche, poitrine, tout ce que tu veux est revenu en stock sur le shop. T'as juste à aller dans la description, c'est le premier lien. N'hésite pas à y aller, c'est en quantité limitée. Et c'est encore les soldes, parce que oui, ils ont prolongé les soldes. Donc les soldes sont encore sur le shop, les frères. Donc n'hésitez pas à en profiter. La livraison est gratuite en plus en ce moment, donc ça tombe bien. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui est complètement incroyable. C'est parti, bon visionnage à vous. Et wesh la famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo de folie. Tu connais... Et après, je lui parlais, les gars, mais c'est chill. Ouais, bah, y a les assurances, on maîtrise, c'est notre travail aussi de faire ça. Moi, je vais maîtriser autre chose, il faut pas rigoler. Hein. De quoi tu vas maîtriser quoi? Moi, je rigole pas. Hein. Tu vas maîtriser quoi? Je rigole pas. Pourquoi tu crois que tu me fais peur ou quoi? Chacun son travail. Je vais descendre la voiture, moi, je rigole pas. Mais tu vas faire quoi? Bah, moi, descends. Mais casse-toi, vaut mieux pour toi que tu te Mais passes. Je reste là, vas-y, descends si tu veux descendre de ta voiture. Allez, le feu est vert. Voilà, les gars. Heureusement, j'ai filmé. Enfin, j'espère que j'ai filmé. Parce que cette scène est magique, je vous jure, hein. Je suis sorti de chez moi il y a 10 minutes, hein. 10 même pas, 5 minutes je dirais. Première altercation de la journée mon frère. La toute première, et regardez les gens comment ils réagissent. Oh là là, incroyable. Oh, je suis essoufflé en plus. Ouh. Ah, je suis mort. Eh les gars, je vous ai dit, hein. C'est Nancy, tendu. Le Covid, il a tendu tout le monde, frère. C'est trop. Bon, les gars, je viens de regarder la réaction de la personne. Bon, ça va, j'ai été gentil, franchement. Je me suis même pas énervé et tout, parce que ça servait à rien. Mais les gars, comme vous avez vu, je suis passé quand même large de sa voiture, pour ceux qui font des roues arrière et tout, qui connaissent. Au début, je me suis dit, oh, elle a pas trop compris. En fait, au début, moi, j'ai cru qu'on m'avait klaxonné pour que je refasse une autre de route, tu vois. Parce que j'ai l'habitude qu'on me klaxonne, on me dit, vas-y, retape une route, t'es chaud, tu sais, des trucs comme ça. Les petits compliments qui font plaisir. Et c'est vrai que les road rage, où il y avait des personnes qui étaient pas trop contentes, ça faisait un moment. Donc, ça fait, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, petite réaction un peu tendue. Ça, sûrement le Covid, on est samedi. J'aurais pu ne pas répondre non plus, mais voilà, les menaces, j'aime pas trop ça, tu vois. Genre, je vais descendre de ta voiture, faut que tu maîtrises autre chose. Ouais, doucement, ma grande, doucement quand même. Mais voilà, tranquille, en tout cas, voilà. Ça, c'est typiquement ce qui peut nous arriver. Mais après, les gars, j'étais sur ma piste de vélo. Regardez bien à droite, j'étais sur ma piste de vélo. Vous remettez un replay. J'étais sur ma piste de vélo et en plus de ça, j'avais plutôt bien géré mon wheeling. On se comprend, ceux qui font des roues. On était très loin de toucher, en tout cas. Mais voilà, les gars. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe après le couvre-feu? Vous avez votre première question, votre première réponse. Voilà, et en plus de ça, les gars, j'aurais pu aller plus loin parce qu'elle m'a parlé de mon travail. Ouais, j'ai travaillé pour avoir ça, je comprends totalement. C'est... Voilà, t'as pas envie qu'on te casse ta voiture, mais malgré ça, il y a des assurances, on va pas partir en courant, on n'est pas des gens comme ça. Et en plus de ça, moi aussi, c'est mon travail, les gars. Là, je peux aujourd'hui circuler. Voilà, ça paraît peut-être affolant pour certains. Faire des vidéos, c'est un travail maintenant. Bah écoutez, les gars, j'ai tous les papiers qu'il faut, je suis en ville, il est plus de 18h. Donc pour ceux qui se posent la question, je vous réponds tout de suite, comme ça au moins c'est clair. Ça, c'est des gens cool. Ouais, c'est couvre-feu, c'est pas couvre-feu. Wesh les gars, attendez, hein, je vous montre tout de suite. Hein, pour ceux qui me demandent, déjà ils vont pas me croire. Regardez, hein. 18h09. Bon, ça vient de commencer. Putain, y'a du monde à mort. Uniquement au frein, les gars. Incroyable.
police, regardez. Ah, j'ai cru que c'était la police. La prochaine, c'est la police. Regardez bien. Je vous le dis, les gars, j'annonce. Écouteurs. Après, je suis pas sûr de moi, en fait, mais... Non, en fait, c'est bon. J'ai cru qu'il m'avait suivi, les gars. Vous doutez bien que cette vidéo, ça fait environ... Allez, un mois et demi, je vais vous la faire. Mais il fait nuit avant, il faisait nuit, enfin avant, il y a 15 jours. Il faisait nuit à 17h30, 17h35. Donc, je pouvais pas vous faire une vidéo 100% couvre-feu. Donc là, c'est bien, au moins vous avez un peu de lumière. Et on est tombé sur une putain de folle. On va pas le juger, mais on est tombé sur une folle pour le début de la vidéo. Et ça, ça n'a pas de prix, les gars, ça n'a pas de prix. Bref, pour résumer, on est au centre-ville, parlant en GoPro devant les gens ils croient que je suis fou, je parle tout seul maintenant en fait. Donc là on est au centre-ville, on va faire un petit tour, on va pas rester parce que c'est sûr et certain, je vous le dis, à 80 000%, si on reste au centre-ville c'est contrôle de police, c'est tout à fait normal. Hein. Après moi ça me dérange pas, c'est juste que j'ai pas envie de perdre trop de temps, parce que voilà, on est quand même samedi soir, je vais rester un peu avec la famille, vous connaissez les frères. Donc voilà. En tout cas, oula, vous avez vu, est-ce que vous avez vu comme moi? On y va tout de suite. Regardez, il a tapé une roue normale. Regardez. Uber en Y. Si. Voilà, le monde qu'il y a, les frères, c'est hallucinant. Je sais pas, il est où le couvre-feu encore, mais... Ah, dès l'heure. 18h15. Pour ceux qui pensent que je mens. Et les gars, aussi, je fais pas cette vidéo pour dire ouais, regardez, les gens respectent pas le couvre-feu, nanani. Non, ça, les gars, c'est pas mon style du tout. Ni de loin comme de près. C'est juste faire cette vidéo pour montrer qu'est-ce qui se passe après 18h. Moi, personnellement, tu vois... je vais pas faire les mecs, ouais je suis jamais sorti pendant le couvre-feu, non. Voilà, je suis déjà sorti avec 4-5 fois, mais un petit peu plus, histoire de voilà de faire des trucs urgents, ou des fois tu vois je tarde un peu, je rentre vers 18h15-20. Ce que je veux dire c'est que c'est pas un truc systématique, tu vois, c'est comme tout le monde je pense, tu vois, il y a des personnes qui sont occupées, il y en a ils sont pas forcément d'ici, ça se trouve c'est des personnes un peu plus loin. Je sais pas, bref, on sait pas, tu vois, on peut pas. Chacun il a sa situation. Donc voilà. Et en plus de ça, les gars, moi je suis absolument pas comme ça à dénoncer les gens. Ils font ce qu'ils veulent, les frères. En tout cas, c'est juste chiant parce que je peux pas chercher à boire. À part, je peux rien faire, ça, c'est la misère. On va aller par là. Il est quoi? Il est 18h20, 15. Dans 10-15 minutes, je pense, il y aura plus personne. On va regarder au skatepark là-bas s'il y a encore du monde. Histoire de vous montrer un peu, voilà, histoire de faire des roues. Et comme je vous ai dit, les gars, faut se détendre, tranquille. Pépère, c'est le Covid, déjà que c'est chiant. Tu vois, si les gens commencent à casser la tête. Mais de toute façon, ça faisait un petit moment, franchement, le vélo, il était de plus en plus respecté. Mais là, je viens de me prendre une petite presse. Et je peux vous dire que... Là, je rigole en vrai, non, mais en vrai, c'était mignon, c'est très mignon, très très mignon. En tout cas, les gars, je voulais vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous kiffez ce genre de concept en GoPro et tout. Et puis voilà. C'est important, très important, très belle classe S. Je monte le trottoir là parce que c'est tout simplement suicidaire de prendre la route qui tourne là en vélo. J'ai pas envie de me faire charcler. À noter ceux qui font la circulation, les gars, ici là, Carrefour là, l'espèce de
de tournant là pour monter vers le Kinépolis à Nancy. Horrible. Horrible quand tu viens de Lobo. Pour les vélos. Après, je peux dire une connerie. J'ai dit une petite connerie parce qu'ici il y a un canal. Donc tu peux couper par le canal pour. Tu vois. Mais ceux qui prennent la route, tu vois, parce que des fois le canal il est plein, il est bien boueux, tu vois. Il faut trouver une solution, les frères. Ah, je rigole, c'est déjà très bien ce qu'ils font à Nancy avec les vélos. Ils nous mettent bien à mort. Les frères, retenez bien cette vidéo. Elle annonce un retour imminent. J'ai bien dit imminent des barreaux de night, de jour. Là, pour le moment, là, il fait très bon. Là, regardez, je suis en gilet. On va essayer de couper par là. Bon, les gars, je disais. Putain, le parking du Kinépolis, ça ferait un putain de spot pour des rassemblements. Hein. Bref, les gars, je disais en gros que cette vidéo, elle va. Tu vois, ça va en gros déterminer ça. À partir de là, retenez bien, c'est là où c'est le retour, les frères. C'est là où ça va rebombarder les vidéos de vélo à l'extérieur. On filme plus en GoPro, mais cette fois-ci, on filme. Tu vois, la vue à la DRZ, frère, ça manque, tu vois. Donc, rendez-vous très vite là, parce que tout le monde est en train de se reprocurer des vélos. On est en train de refaire des montages, vous allez voir. C'est lourd. C'est lourd ce qui arrive. Il manque 2-3 petites bricoles, et puis on est là avec un long moment d'absence, mais on sera là, vous inquiétez même pas. En tout cas, les gars, à chaque fois que je passe d'une autre vie différente ici, c'est Bresson. Ici, c'est vraiment violent, tu vois. T'habites là, t'es tranquille, je trouve. Après, c'est un avis, les gars. Est-ce que vous kiffez? Moi, je kiffe. Bref, les gars, on s'en fout. On va aller barode. Là, on arrive à côté du skatepark. On va voir s'il y a du monde. Parce que généralement, ceux du skatepark, c'est un peu des rebelles. On va pas se mentir, pour ceux qui connaissent Nancy, quand on est avec mes gars et tout, tu vois. Il y a des rebelles au skatepark. Il y a des gens qui veulent pas rentrer à 18h. Donc, est-ce qu'aujourd'hui. Mes dires vont être vérifiés. Alors on va voir ça tout de suite. Je vais traverser là. Comme ça c'est moins suicidé hein. C'est pareil hein. Tu connais voilà de vélo. Ils sont tous à 50 minimum. Complicado. Ah, police là-bas. Vous avez vu? Police. Ok d'accord. Ouais bah il y a sûrement les gens qui essayent de de jouer à cache-cache. Est-ce qu'on va participer à une scène historique des vidéos, juste de la vidéo, je sais pas, mais attention, attendez, on va aller rejoindre ça, les frères. En tout cas, les gars, le DRZ Bike, toujours en forme. Moi, je crie, c'est derrière moi la voiture. Ah, les lumières, ils arrivent. Il y a quand même des jeunes, hein, on va se mentir. Hein. Est-ce que. Oh, regardez. Il y a un barrage, en fait. Il y a un gros barrage, les gars. Regardez. Ok, barrage Covid. Vous avez vu? On va passer à gauche, on va pas faire le bungee. Oh là là. Ouais, ça interceptionne lourd, hein. Putain. C'est quand même ZF, hein, la police qui interceptionne tout le monde. Le skatepark est vide, les gars. Je vous ai dit, les rebelles ne sont pas là aujourd'hui. Les gens vont penser qu'il y a un putain de mytho, alors que pas du tout. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai pas ouvert ma bouche d'un pet, hein. Vous avez vu la police des deux endroits? Tu peux t'enfuir nulle part. Oh là 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 là, c'est chaud aujourd'hui, c'est chaud, c'est couvre-feu. On va reprendre le canal, les gars. Si le canal, en fait, c'est la valeur. Et je comprends pas pourquoi, en fait, ils se mettent ici. En fait, c'est la première fois que. Genre, c'est pas un axe énorme non plus. Hein. Oula, eux là, c'est. Eux, c'est là, c'est le contrôle assuré. Regardez, il ralentit. Oh, j'aurais fait pareil, les gars. Oh, je me sentirais pas bien à sa place. Et 135 balles, ça fait mal. Bref, les gars, je disais, j'ai hâte de vous montrer les projets qui arrivent. Voilà, un des nouveaux, tu vois. T'inquiète. Je peux pas. En fait, j'ai pas envie de dire. Là, je rigole. En vrai, des nouveaux, un nouveau bureau, des RZ, tu vois, tout ça. Enfin, un nouveau bureau. Enfin, un local, tu vois. J'ai pas pris de garage ou quoi. Mais en tout cas, j'ai pris. Je vais m'installer dans un appartement, etc. Donc je vais pouvoir vous montrer l'appart. Je vous ferai une vidéo complète où je vous fais découvrir mon appartement, mon setup, etc. pour 2020, T1, 2022 et puis pourquoi pas viser plus loin encore. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça pour l'année 2021, qu'est-ce qu'on va faire. Et je vais vous montrer aussi pas mal de choses. Et là, je vais essayer de faire une déco de malade. Histoire de vous tourner des vrais, je regarde vos wheelings, des trucs carrés dans l'axe, les frères. Donc voilà. Donc là, on est où? On est vers l'autre canal.
franchement, en fait, je vous ai dit, hein, voilà, je suis pas sur la route, vous avez vu, la police est un peu partout, tu vois. Donc je vous ai dit, les gars, à partir de 18h20-30, il n'y a plus personne, pour ceux qui se demandaient, pour ceux qui sortent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent à 18h, ils doivent être à la maison, et c'est tout à fait normal. Ça doit être tout le monde qui doit être à la maison à 18h. Voilà, moi, pour ma part, les gars, comment vous expliquer pour les plus jeunes, en gros, vu que mon entreprise, en gros, moi, j'ai créé une entreprise, tu vois, en tant que vidéaste, etc., sur Internet. Et a priori, c'est pas une profession, tu vois, qui nécessite une aide, en gros. En gros, on peut continuer à exercer. Et moi, personnellement, tu vois, la journée, c'est pas que je suis occupé, mais c'est que l'après-midi, je fais du vélo, tu vois. C'est rare que je fasse du matin du vélo. Je le faisais au tout début du couvre-feu parce que j'avais pas le choix, en fait. Après, je faisais l'après-midi. Et généralement, moi, quand je sors en vélo, c'est de 15h jusqu'à 20h, tu vois. Tu vois, c'est dans les zones là, tu vois, ça fait énorme. Genre, on se dit, ouais, t'es sérieux? Mais non, mais c'est comme ça en gros. Surtout quand je suis avec des potes, laisse tomber, je peux encore plus tarder, tu vois. Mais en gros, voilà. Donc, moi, ma vidéo, elle se concentre sur ça. Et moi, je fais une vidéo sur 5 heures. Je fais... Après, tu peux me dire, ouais, tu peux faire en 2 jours. Ouais, mais ça sera moins bien, moins appliqué. Et puis, ça sera moins authentique, tu vois. Moi, je préfère faire tout sur un jour, comme j'ai toujours travaillé. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué à ceux qui gèrent voilà, les aides, etc. Donc, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'aide financière. Parce que moi, c'est mon métier, les frères. Si je sors pas faire de vidéo, soit j'ai l'aide, soit j'ai pas d'argent, vous voyez ce que je veux dire, je vis avec ça, voilà, bref, en tout cas vous connaissez, c'est juste la partie en gros qui est un peu chiante. Donc là vous avez, j'ai pas l'aide, du coup je suis obligé d'aller bosser entre guillemets. Donc je me plains pas du tout, parce que c'est une putain de chance, hein, de faire des vidéos et puis tu vois, être rémunéré, faire ce que j'aime, surtout le vélo, c'est une dinguerie, les frères. J'ai une putain de communauté, je fais un peu ce que je veux, tu vois, j'essaie de faire découvrir ce que je veux et vous kiffez, donc ça fait super plaisir. Donc voilà les gars, vu que j'ai pas d'aide et tout, je suis obligé de sortir faire des vidéos. Donc tout le monde devrait être à la maison, ce qui est logique, même moi, hein, la plupart du temps, 90% je suis à la maison, sauf pour faire des vidéos ou des imprévus comme la famille, etc. Enfin, comme tout le monde, quoi. Je vois pas que cette idée de vidéo, je voulais vous la faire, donc je vous la fais. Voilà ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas trop l'envers du décor après 18h.